RFM. Alors je rajoute juste deux gouttes. Voilà. La science. Et on est sans nouvelles du chat. Bonjour Hugo la science. Bonjour à tous. Salut Hugo. Le dodo est à l'honneur aujourd'hui. Ah bon? Oh. Et oui, car on sait désormais quelle position choisir pour dormir afin d'influencer nos rêves. On sait ça grâce à la revue scientifique Sleep and Hypnosis, qui veut bien évidemment dire Sleep et Hypnose. Non, dodo et hypnose, bien sûr. Mais on veut savoir, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les cauchemars? Il faut éviter de dormir sur la gauche. Selon l'étude menée sur une soixantaine de personnes, c'est dans cette position qu'on a le plus de chances de faire des cauchemars. Et alors sur la droite? Eh bien à droite, ils auraient eu un meilleur sommeil, enfin, et fait de beaux rêves. Et j'ai une autre info qui vient d'une autre étude, et je sais que ça va vous intéresser. Selon l'université de Hongshuyan, qu'on connaît tous bien sûr, hein, on l'a tous fréquenté celle-là, big up à la promo 2015. Bien sûr. Dormir sur le ventre entraînerait des rêves érotiques. Non. Eh oui, mucho caliente. Ceci est dû au contact avec le lit, ça stimulerait les envies inconscientes. Donc petite prescription pour ce soir, ce que vous faites juste avant de dormir, vous pensez à moi. Pas de côté gauche pour éviter les cauchemars, côté droit pour bien dormir et go sur le ventre si vous avez envie de passer une nuit de folie. C'est une super étude. Hein. Je sais pas s'il faut la prendre vraiment avec du recul ou pas, mais en tout cas, si c'est une vraie étude, je trouve ça super intéressant. Moi, cette nuit, je dors sur le ventre. Moi, je dis testons. Bah oui, testons. Le côté droit ou le côté gauche, on s'en fout. Hein. Je dors sur le ventre. Merci beaucoup, Hugo. Tout est à retrouver sur le Facebook du Meilleur des Réveils.